Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu spécifique. Aujourd'hui, on va jouer à Mino Rush. Donc ça, c'est une cave que j'avais prévue depuis beaucoup de temps. Mais comme à cause de l'été, etc., j'ai pas pu vraiment trop le faire. Donc Mino Rush, du coup, un jeu plutôt classique. Donc voilà toute ma liste de minions. J'en ai 12 quand même. Donc ça fait environ 10%. Donc là, méchante opération, donc hop. Ah, donc je vais jouer dans le mode histoire. Hop. Avec le mignon qui jongle. Ah, c'est parti. Je sais pas si c'est la combien de cave, je pense que ça me donne une 15e cave. Donc c'est un sebo surfeur de gauche. Hop. Donc c'est un sebo surfeur de Wish. Donc un peu moins connu, mais quand même c'est un excellent jeu. Donc parce que je l'avais prévu il n'y avait pas longtemps, mais bon, mais comme à cause de l'été, etc., j'ai pas pu le faire. Bim, allez, un minion dans ma tête. Mince. Voilà, bon ben ma quête était un peu trop facile. Hein. Lego technique, on s'en fiche. Ok. Il y a 350 pièces. Là, je vais obtenir des trucs pour le touriste. Cours 600 mètres. Bon, on va reprendre le footballeur. Hein. J'adore la tête du mignon qui fait. Hein, c'est une des trucs. Donc voilà, donc c'est une cave. Alors, je vais baisser le son un peu. Voilà, donc du coup, c'est une cave. Donc, quand même assez spéciale. Parce que, quand même. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de cave. Je crois que ça fait 6 mois ou un an que j'ai pas fait de cave. Donc ça tombait à pic. Voilà. Parce que j'avais beaucoup de choses à préparer entre la vidéo spéciale Halloween, les mois de juillet et août qui étaient plutôt des mois décisifs. Mmh. Ou encore la vidéo spéciale Noël qui est en préparation. Que je ferai. D'où je ferai le spoil dans 2 semaines. Hein, pour ceux qui veulent le savoir. Et voilà. Merci, j'ai gagné 15 posters pour le touriste. Non, c'est même pas des posters. C'est des... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus quoi. On va attendre. Non, je l'ai plus. Hein, ramasse tout ça. Donc, une salle de l'armurerie, salle 2. Et ben, je vais essayer de compléter toutes les quêtes aujourd'hui. Donc, je vais pas... Donc là, je vais prendre le fêtard. Que je fasse 15 méfaits avec le pistogel. Le pistogel, ça dure que 8 secondes. Bon, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Il faut que je casse des trucs et tout. Ouais. Le corps, c'est la voiture de Bowser, en fait. C'est pas la voiture de Bowser, ça. Mais... Ouais, j'ai presque les 3/4. Ouais, voilà, j'ai les 3/4 marche. Hop, on va prendre la fusée. Waouh, alors là je joue chaud. Hein. Que je fasse 7 méfaits encore. Cette quête elle est assez longue. Donc, je sais, mais... Et comme j'ai pas de mignon qui avec ça là, qui dure plus longtemps. Ah que chiant.
Ah si, genre, il y en a un là, vas-y. Donc maintenant il faut que je fasse 25 méfaits, donc il m'en reste 7 à jouer. Allez, banana split. Je vais prendre la spi et après que je prends le machin. Que je fasse encore 15 méfaits, vas-y. Bon, yes. Bon, la quête était plutôt simple. Monster Hide. Alors, qu'est-ce que j'ai? Étoile de mer, la fille et le bébé. Enfin, le bébé, j'ai 70% de chance de l'avoir au moins une fois. C'est très cool. Très bien. Ah, il faut que je refasse une quête 180 mètres avec le pistolet gel. Là, je l'ai en 10 secondes. Je vais prendre du repos. Ouais. Ensuite, ça a duré 30 secondes. Donc là, il faut que je cours plusieurs mètres avec ça. Ouais, mais je vais essayer de compléter toutes ces quêtes aujourd'hui. En même temps, je pense, après cette vidéo, normalement, il y a la case 8 du calendrier de l'Avent qui va sortir. Normalement. Et il faut que je fasse ici la case 9 pour demain. Normalement, puisque les gels, je les prends, quoi. Il faut que je ramasse un maximum de bananes, voilà. Nice. Allez, go. Ouais. Je l'ai mis pour 13 secondes, donc c'est juste bien. Thank you.
Hop, j'ai décidé de voir. Non, il n'y a toujours pas ça. Moi j'ai gagné vraiment de bananes grâce à ça. Mince, ouais, je suis allé trop, ça allait trop vite. On est en train. Même si j'étais à rien de compliqué là, qui est pas mieux. Ah voilà. Encore. Voilà. Ah, presque assez. Ouais. Vas-y, je vais augmenter comme ça. Comme ça, au moins, je pourrais augmenter le chasseur. Je peux prendre le McLaren. On est parti, je viens de faire. Voilà, donc là, je peux monter au max, au niveau 2. Ah non, niveau 3. Ah non, enfin, niveau 3. Ah non, niveau 2, je me disais. Il y a un petit problème, donc là je peux ouvrir du coup une autre caisse en passant. On capture, ah, le touriste. Kimpi, le renne. Et Sword, femme des méchants. C'est pas ouf, hein, mais c'est déjà très bien. Moi je peux monter niveau 3. Nice. Ah, je vais bientôt débloquer le renne, ça je suis assez content. Très bien. Et pour finir, faut que je joue en... faut que je bats El Macho. Bon. Ah, il faut que je bats El Macho, donc là il faut que je continue, ok. Faut que je cours 120 mètres avec l'aspi banane, ok, bah ça va. Vas-y, on va essayer de finir ça. Et on y va, c'est parti. Très bien, bon, vas-y, au moins je vais pas débloquer de nouveaux persos, mais j'en ai monté certains. Mais je pense que dans quelques capsules, justement, je pourrais avoir le renne. Peut-être, bon, peut-être pas un rare, parce que les rares, c'est très difficile à obtenir. Difficile à obtenir, et les légendaires, il faut pas, faut croire le bon but pour l'avoir. On a baissé des légendaires, ça s'appelle des epic, en fait, ils ont plus que de booster, en fait. Allez, c'est parti. Est-ce que ça fera assez? J'espère que oui. Normalement, c'est à 1 mètre près, non, sinon. Encore une pub. Moi, j'écris des rapports AVM. Résultat festival. Ah, j'ai terminé toutes les quêtes avec un mignon carrément qui est en train d'écrire. Je sais pas pourquoi, mais non. C'est rigolo. Cours pendant 1 minute 15. Bon, bah écoute, c'est parti.
Donc je vais faire trois petites games. La tête du mignon qui me poutre. C'est ouf. Allez, à plus. Ok. Belle. Allez. Je sais que cette cave elle est assez longue, mais je sais pas. J'ai pas prévu ça. Là c'est clochette. Là c'est clochette. Ouais, c'est mignon dans la face. Je sais pas c'est quoi la prochaine map dans le chapitre 3, mais je m'en rappelle plus, que je crois que j'avais terminé une fois. Pas avec tout le mignon, mais quand même avec un bon paquet. Je prolonge. Normalement c'est gagné. Hein. Si je fais pas main, ouais, c'est bon. Yeah. 400 pièces, merci. Donc là, la finale. Échapper à El Macho une fois. Bon, on n'a pas de les recommander. Mais on va prendre le jogger pour être sûr. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. On fait juste un peu naviguer le niveau et normalement, on va tomber sur El Macho. El Macho, je ne me rappelle plus comment le battre. Est-ce que je l'avais battu une fois une semaine TV hein? Ouais, mais je viens de dire que j'avais fini le jeu, donc à vrai dire. Hein. Est-ce que oui? Moi, j'ai failli tuer un mignon. J'étais pas sévère. Alors, je prends quoi? Ben, split. Ouais, vas-y. Ben, split, c'est très bien. En plus, que j'ai besoin de bananes, ça va être plutôt pratique. Ouh, alors là, j'aime pas quand on fait des sauts en longueur comme ça. Waouh, magnifique. Un petit sérum, vas-y. El Macho. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, il faut lui balancer des poules, d'accord. Et il nous envoie des mignons diaboliques dans la gueule, ok. Et il est masqué là. Comment ça il est masqué? Ah, c'est bon, on a semé. C'était un peu trop facile, hein, on va pas se mentir. 5 du déguisé, merci beaucoup. Et normalement on a fini. Donc là. Voilà, le nouveau monde avec c'est le monde égyptien, oui c'est ça. Et j'ai 10 de l'étoile de mer. Tenez des capsules, ok. On peut avoir quand même le déguisé une fois. Je vais installer les pyramides comme ça sur le joueur en off. Et normalement j'ai débloqué l'étoile de mer. Ouais. Que je peux même monter niveau 2. Ah, l'étoile de mer. Impossible de lui enlever. Ouais. Ah, le renne, je le trouve super stylé. Ouais. Ah, le grand-père, je suis pas loin non plus. Hein. Le grand-père. Je peux en avoir 10 ouais, quand, au palier 6. Donc, c'est très bien. Et en termes de succès, ouais, je suis très loin. Là. Bah, Vector en lui lançant l'hydrome. C'est comme ça, ça permet d'avoir le chevalier. Ouais. Il est extrêmement rare. Ouais. En plus. C'est quoi? Oui, il faut que je rame des pubs aussi. Donc du coup, c'est la fin de cette cave sur ce jeu vraiment bizarre. Oh, regardez, il essaie d'enlever cette étoile. Eh ben non, c'est impossible. Donc du coup, on se retrouve donc demain. Pas demain, n'importe quoi. Donc demain, pour la cave d'enfant, en tout cas. Et mercredi pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas...